Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotic Marc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de notre Let's Play sur MLB The Show 19. On est toujours dans l'organisation des Angels de Los Angeles. On est dans l'équipe AAA depuis deux épisodes, je vous le rappelle, avec les Bees de Salt Lake alors qu'on affrontera les Chihuahuas d'El Paso. Les Chihuahuas d'El Paso qui sont d'ailleurs dans notre division, donc ce sera tout de même des éléments importants à faire, bien entendu. Et on avance, voilà. Et on va accepter le petit challenge. Ça n'avait pas si bien été lors du dernier épisode au niveau de ce qu'on a été capable de faire, c'est-à-dire au niveau de notre moyenne de but au bâton, même si on a voyé le petit feu. On est le quatrième frappeur juste après Albert Pujol et avant Esteban Portillo. On a maintenant 62 de moyenne. On continue de monter de plus tranquillement. Je vous rappelle qu'on a débuté en étant homme au premier coussin et qu'on est maintenant dans le champ parce que c'est ce que notre cher ami voulait nous dire. On voit le batting average de la saison. Nous, on serait là-dedans, mais je pense parce qu'on n'a pas joué assez de matchs. Ils ne peuvent pas nous mettre dans les classements parce que je vous rappelle qu'on est arrivé au milieu, à la fin de... Lorsque la première moitié de saison s'est terminée dans le double A, et eh bien on a été rappelé dans l'équipe triple A. Et bah on est encore dans nos premiers matchs, je crois qu'on a même pas une vingtaine de matchs faits encore. Et là c'est un match très important face aux Chihuahuas d'El Paso parce qu'ils sont dans notre division, donc c'est extrêmement important. On est donc à défense et on s'amène à la défense alors qu'il y a déjà deux retraits inscrits au tableau d'affichage. Je crois qu'on est à El Paso, je crois pas qu'on est à Salt Lake, mais je me trompe peut-être. La balle est lancée très très loin, mais malheureusement, je ne saute pas assez haut et on n'a pas vu que la balle a traversé la clôture. Petit problème de collision dans le jeu. Alors, on est de nouveau en défense. Okay, c'est déjà 1-0 avec le dernier coup de circuit, on peut rien y faire. Malheureusement, quand il y a des circuits, c'est bien rare là qu'on peut faire quelque chose. Et voilà, c'est très très loin, mais au moins on réussit à faire l'attraper. On est donc au bâton pour la première fois du match. Le numéro 6, Hypnotic Mark, est là avec 375 de moyenne au bâton, 3 coups de circuit et 19 points produits. Allez, on doit se concentrer. Et c'est une prise. On doit se concentrer et on va espérer que, du moins pour cette vidéo, on soit un petit peu meilleur. C'est une balle, mais totalement. Une balle, une prise. 375, on a la meilleure de moyenne de bâton de la ligue jusqu'à maintenant. Mais on n'a pas joué assez de matchs pour être dans les classements, si je me trompe pas. Une fausse balle, on a frappé un peu tard. Deux balles de prise. Et c'est frappé très très loin, mais ce sera attrapé au champ gauche, malheureusement. On a tout de même bien joué là, on peut pas se le dire. Alors on est de retour en défense, en début de quatrième, c'est toujours 1 à 0 pour El Paso. Et voilà, pas plus compliqué que ça, on accomplit notre travail en défense. Et c'est ce qu'il faut, on doit être le plus régulier possible. 0-1-1 ce soir pour Hypnotic Mark, on a un de nos collègues qui est au troisième coussin, un seul retrait. Il faudrait au moins réussir à faire un point produit. C'était clairement une balle, on l'a bien vu. Ça c'était clairement une balle, mais là on... Ce sera une prise et on est sauve. On est sauve, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Allez, on va y arriver. Et non, malheureusement. Et en plus, ça compte même pas comme un point produit, malheureusement. Ça n'a pas été fantastique, on ne se le cachera pas. Johnny Stefani, on est en défense, c'est 2-1. Les Chihuahuas d'El Paso qui ont repris les devants par un petit point. Et voilà, une nouvelle fois, on réussit l'attraper.
Voilà qui est complet. On est de retour en défense. Toujours un point d'avance pour les Chihuahuas. 3-2. Début de sixième. Un adversaire au premier coussin. Je ne sais pas pourquoi mon joueur s'est amusé à... Malheureusement, j'ai pas réussi à faire l'attraper. Ce sont des choses qui arrivent. 0-2 ce soir. On perd maintenant 5-2. Fin de sixième manche. On a Puyol qui est au premier coussin. Et c'est frappé très très loin. Et c'est un coup de circuit. Voilà, j'allais dire frappé très très loin. Coup de circuit. Deux points produits. On réduit l'écart à un seul petit point. Pas dire qu'on fait pas notre travail. 1 en 3 avec un coup de circuit. 5 à 4, fin de 8e. Un homme au premier et au deuxième coussin. Aucun retrait n'inscrit au tableau d'affichage. Donc on a l'occasion rêvée là, clairement, pour permettre à notre équipe de créer l'égalité. Les prises, j'ai frappé beaucoup trop tard là, mais clairement la balle était dans la zone des prises. Une fausse balle. Frappé beaucoup trop tard. Et c'est frappé, on y va pour le double jeu malheureusement. Il y a un homme au moins qui s'est rendu au troisième. On espère créer l'égalité, mais voilà quoi. 1 en 4, c'est l'égalité, fin de 10e manche, c'est l'égalité 5 à 5. Un autre coup de circuit serait suffisant pour Hypnotic Mark afin de donner la victoire à son équipe. Une balle, une prise. Allez, on prend notre temps et on espère avoir la bonne balle au bon moment. This could affect them for the rest of the weekend if they don't get really good starting pitching. Suggs sprinting after it. Et on est retiré au champ centre, malheureusement. Et on est de retour 1 en 5 ce soir et on perd 9 à 5 là. Fin de 12e manche, deux retraits. On a notre collègue là au premier coussin. Malheureusement, ce sera clairement pas assez. Parce que même si jamais on faisait un coup de circuit, bah, on ne réussirait même pas à créer l'égalité. J'aime pas trop avoir des longs matchs comme ça parce que clairement ça réduit un petit peu ma moyenne, surtout qu'on n'est pas très bon. Et voilà, retiré sur 3 prises. Et voilà, victoire des Chihuahuas del Paso en manche supplémentaire. On commence donc avec une défaite, et ça c'est un petit peu décevant, bien entendu. On va essayer de se rattraper pour les prochains matchs. Allez, c'est parti. Parce que là, on donne de l'avance à l'un de nos adversaires de division, là, un de nos rivaux. 355 de moyenne, 4 coups de circuit, 21 points produits maintenant. On mène déjà 1 à 0, on a un coéquipier au deuxième coussin, et on est en fin de première manche. Et une belle balloune qui sera retirée au champ centre. On est en défense, on mène toujours 1 à 0. Il y a un adversaire au premier coussin. On est en début de deuxième. Et Cordero qui a une moyenne au bâton 209 cette saison, ça mène au bâton. Et c'est un coup de circuit de 2 points. Les Chihuahuas del Paso qui prennent les devants 2 à 1. On est de retour en défense, c'est maintenant 3 à 1. Les buts sont remplis, 2 retraits. Mais là, les buts sont remplis, donc un jeu extrêmement important. Et voilà. On retire. Heureusement, on est juste en retard de 2 points. On est de retour en défense en début de 3e. Un retrait d'inscrit au tableau d'affichage, mais aussi un adversaire au premier coussin. Velasco qui lui a frappé 1 à 1 ce soir jusqu'à maintenant. Et malheureusement, ça a été complètement raté. Je m'attendais pas que la balle soit frappée si près de moi. On est de retour en défense alors que c'est 5 à 1. Deux retraits, un homme au premier, au deuxième coussin.
Pas un début de match rêvé, on va se le dire là. Alors qu'on avait commencé par avoir 1-0. On va essayer d'aider notre équipe 0-1 ce soir, c'est toujours 5-1. On a un coéquipier au premier, deuxième coussin. Fin de troisième manche. C'était une prise de toute façon, mais je crois que j'aurais peut-être pu la laisser passer. Ça, c'était une balle, une prise. Allez. Frappé beaucoup trop tard. Ça, c'est sûr. Une balle, deux prises. Deux balles, deux prises. Allez, on reste concentré. Wesh. Wesh, 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 c'était dégueulasse ça. Toujours 5-1, début de quatrième. On avait l'occasion là, de marquer On avait l'occasion tout à l'heure de marquer, au moins d'inscrire au moins un minimum un point produit si on frappait la balle assez loin. On n'a pas réussi malheureusement. Réussi. On fait notre travail en défense, clairement. La 0 en 2 ce soir et on perd 7 à 1. Ouch. Sans la défaite, malheureusement. Hein. Et c'est un coup de circuit. On le voit ici. Coup de circuit de 2 points. Pour Hypnotic Mark. Ouais, un beau jeu, c'est son cinquième de la saison. Retour en défense, c'est 8 à 3. Début du 8ème manche. Un retrait d'inscrit au tableau d'affichage. Velasco qui s'amène avec 3-1-4. La seule fois qu'il a été retiré, c'était nous qui a fait l'attraper. Et là, ça sent le coup de circuit. Voilà, qui est confirmé, c'est 9 à 3. Et on est retour bâton 1 en 3 ce soir, c'est 9 à 3. Un retrait fin de 8ème. Non, j'ai raté, je voulais pas frapper, j'ai lâché le bouton, mais il était rendu trop tard. Notre personnage avait déjà commencé son... Là, ça, c'était clairement une balle. Hein. Ben, une prise en fait. J'ai complètement raté. Wouh! J'ai eu une chance de frapper là, j'ai frappé très très tard. C'est clairement une prise. Non! C'était une balle malheureusement. Ah, come on! Comme dirais-je, voilà. Une deuxième défaite face aux Bees et je crois que si jamais on continue de perdre des matchs face aux Chihuahua del Paso, ce sera malheureusement la fin. Pour notre équipe, je crois pas qu'on réussira à se rendre en séries éliminatoires. On est en défense, toujours 0-0, début de première manche. Juste à temps. Allez, c'est parti, 348 de moyenne, 5 coups de circuit, 23 points produits, 2 en 10, 2 coups de circuit. Un homme au premier, au deuxième coussin. Beaucoup trop tard. C'est une prise, j'ai bien fait de frapper là. Mais frappé trop tard. Allez. Une balle.
Non, c'était une prise totalement. C'était une prise, mais heureusement, nos deux coéquipiers ont au moins avancé. C'est totalement une balle, c'est dommage. Frenchy Cordero, on est en défense, toujours 0-0. Notre équipe n'a pas réussi à marquer après notre séquence. Hasn't been getting the results he or his club have been hoping for. Hit in the air to right field. Number six. Le match est encore serré. On est de retour en défense, troisième, toujours 0-0 également. He's been a real threat at the plate the last week or so. Pulls this one into the air out into right field. Right fielder giving chase. Et voilà. On joue très bien en défense pendant ce temps-ci là, clairement. On est de retour en défense, toujours en troisième manche. Cette fois-ci, il y a un homme au premier coussin. Mais deux retraits d'inscrits, donc il suffit d'attraper la balle et on aura la paix. Non, 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 non. Je me suis trompé. Mon collègue, il est là, heureusement. Il s'en occupe. Donc, toujours 0-0 après trois manches. On est en quatrième. On est premier lanceur à s'élancer. 0-1. Le premier frappeur à s'élancer, devrais-je dire. Il faut que j'arrête de rater mon timing. Allez, on se concentre et on essaie de pas rater son timing. Ça, c'était une balle. Heureusement, j'ai touché par exemple parce que. C'est une prise, j'ai même pas bougé. C'est ça, quand t'as peur là, quoi, là, c'est ce qui arrive quoi. On est en défense toujours 0-0, début de 6ème. Un match très serré en défensive, mais quand on lance comme ça, j'aime pas ça. Oh, j'aurais peut-être pu réussir, mais un coup de circuit, c'est 1-0 pour les Chihuahuas. 0-2 ce soir, toujours 1-0. On a un collègue cependant au deuxième coussin. On est en fin de sixième manche. Allez, je dois réussir des coups sûrs là. C'est pathétique notre séquence face au Chihuahua. Balle. Une prise. Une fausse balle. J'ai bien fait de frapper là. J'ai frappé beaucoup trop tard, mais clairement la balle était dans la zone des prises. Et on a frappé par terre. C'est malheureusement on s'en est retiré au premier coussin. Et voilà. On rattrape notre challenge, hein, clairement, je crois bien. Toujours 1-0 pour les Chihuahuas, début de 7ème. Et on a bien joué cependant, mais malheureusement, c'est raté. Ramirez a réussi à faire un double. On est retour au bâton, même 3-1 cette fois-ci. Mais aucun coup sûr là. Et ce serait bien d'en faire. Oh là, c'était limite ça. C'était limite. Beaucoup trop tard là que je me suis élancé. Et merde. Allez, clairement, moi j'ai dit en début de vidéo, allez, on va essayer de faire mieux que les dernières. Ça n'a pas fonctionné. Victoire, heureusement, des Bees. Alors, les Chihuahuas ont deux victoires, les Bees en ont deux. Et reste un match à jouer. Est-ce qu'on va créer l'égalité? C'est ce qu'on va voir. On est de retour au bâton alors qu'on baisse la 3 en 19, 158 de moyenne dans les 4 dernières parties. 329 de moyenne, 5 coups de circuit et 323 points de produit. On perd déjà 1-0, on est en fin de deuxième manche. Une balle. Une prise, frappé trop tôt. C'était une prise, clairement.
Frappé beaucoup trop tard cependant là. Ah, j'ai vraiment de la difficulté avec le timing là ces temps-ci. Voilà. Frappé en lieu sûr et on y réussira notre premier simple dans les 4 dernières parties. Ça fait du bien au moral ça. Alors, Esteban Portillo qui s'amène avec une moyenne cette saison de 199. Deux coups de circuit, 16 points produits, mais dans cette série, a seulement un coup sûr en 8 occasions. On va donc lui envoyer beaucoup de positivisme. Alors, il pense qu'on va voler. Moi, je volerai clairement pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de... Parce que clairement... On n'a pas les aptitudes là, pour voler des buts. On a tiré sur 3 prises malheureusement. On amène donc Peter Borges dans les 6 dernières parties, 2 en 24. Vous voyez, on a vraiment de la difficulté. Finalement, c'est pas juste moi qui a des difficultés face au Chihuahua. Et un simple réussi. Taylor Ward s'amène 2,32 de moyenne, 5 coups de circuit, 18 points produits. Double jeu réussi malheureusement. Et on s'est donc rendu au troisième pour rien. On est en défense, toujours... En fait, c'est 1-0 pour les Chihuahua, un homme au premier coussin, mais il y a déjà deux retraits d'inscrits au tableau d'affichage. Bonne séquence en défense, c'est ce qu'il me faut là. Et voilà, il lance la balle directement sur moi. C'est pas plus compliqué que ça. Et on l'empêche de monter leur avance. 3-38, 5 coups de circuit, 23 points produits. On est en fin de quatrième. Le coup sûr tout à l'heure n'a rien donné. Là, je suis allé un peu la chercher, mais réussi à faire un simple. Portillo qui s'amène. Tout à l'heure, il a réussi à se faire retirer sur 3 prises. Est-ce que ce sera le même cas ou est-ce qu'on ira avec un double jeu et ça mettra déjà fin à la manche? Non, un petit punt qui nous permet de se rendre au deuxième. Lui sera retiré, mais moi je serai au deuxième. On tente le tout pour créer l'égalité. Ce qui veut donc dire que le prochain frappeur pour les Bees, Peter Borges, qui a déjà 1-1 ce soir, doit réussir au moins un double pour nous faire rentrer jusqu'au marbre. De cette manière, l'égalité serait créée. Et voilà, un simple. On n'a pas réussi un double, mais on a réussi un simple. C'est déjà mieux que rien, je vous l'accorde. Taylor Ward qui s'est fait retirer, qui a emmené le double jeu lors de notre dernière présence sur les plaques. Là, on vole le coussin. Il est sauve, heureusement. C'est son 6e vol de la saison. Ah ouais. On y a retiré au premier coussin, donc j'ai glissé pour absolument rien. Toujours 1-0 pour les Chihuahuas. On est en début de 6e. On a un adversaire au 2e coussin, mais il y a 2 retraits. Un petit retrait et on serait ok, mais la balle semble... Non, ça va. Ça va, la balle est poussée loin, mais je l'attrape et pas plus compliqué que ça. On est de retour au bâton, 2-2 ce soir pour nous. Ah, c'est clairement une balle. J'ai frappé complètement pour rien. Ça, c'était dégueulasse. Et frappé trop tôt encore. Ah là là, difficulté là du timing ces temps-ci. On est retour en défense, tout simplement 1-0 encore, début de 7e. Allez, on espère qu'on n'est pas dans le champ parce qu'il va faire un coup de circuit là. Et j'ai pris beaucoup trop de temps. J'ai pris beaucoup trop de temps. On est de retour.
2-3 ce soir. 2-0. Un collègue au premier. Ready with the first pitch. Here it comes. Swing, line, drive. That's gonna be trouble. Et c'est frappé là. Et ce sera un double. Réussi pour une antique marque. Un beau jeu ça. Le 8e double de la saison. Portillo qui s'amène 1-1 ce soir. 1-2, excusez-moi. Aucun retrait cependant là. Là on aurait l'occasion de soit créer l'égalité. Il s'est fait retirer au champ malheureusement. Et là on espère que Borges réussira. Il a 2-3 ce soir. Allez, allez. Il a tiré sur 3 prises malheureusement. Ah non, c'est pas une joke là. On va pas se rendre avec 2 pilotes sans refaire. Taylor Ward 1-3 ce soir, on compte sur lui. Allez Ward. Allez, allez. On tente le tout pour le tout. On a tiré sur 3 prises. On est allé absolument à rien. On avait l'occasion de créer l'égalité. Oh là là, on perd 2-0 au début de 9e. Un homme au premier et deuxième coussin. Aucun retrait au tableau d'affichage qui veut donc dire qu'il faut s'empresser de lancer la balle. Dès que possible, mais ça sent le... Et c'est le coup de circuit malheureusement, donc ce sera une défaite, hein, parce que 5-0 en 9e manche, ce sera très difficile, voire impossible de ramener. C'est dommage, ce sont des choses qui arrivent, on a changé de lanceur d'ailleurs. Il est trop peu trop tard. J'ai peur qu'il soit vraiment trop peu trop tard et... Le match est déjà hors d'atteinte, mais est-ce qu'ils vont nous monter tous les changements, comme tous les lancers comme ça, quoi? Parce que ça va être long. Hein. Deux balles, une prise. Deux balles, deux prises. Et le compte est complet avec 3 balles de prise. Fausse balle. Avec la 9e manche la plus honte qu'on ait connue dans le let's play. Fausse balle. On s'amuse. Another one sent foul. You pull a fastball like that, you got to tell yourself to slow it down a little bit, play more gap to gap and keep that front shoulder square pointed towards the And he misses ball 4. So he comes out of the bullpen. Alors, j'espère qu'on verra pas la même chose parce que vraiment cette manche va être interminable. First pitch coming, here it is. Slap hard the opposite way. And that ball gets down out near the wall and should be extra bases. Ramirez is on his way home. He comes across the 6-0 quoi. Now a 6-run lead. He was not messing around in that at bat. Ah, ils ont vraiment l'intention de faire jouer toute la manche, hein. Ou qu'ils voulaient un petit peu plus de jeu. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long, 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 petit rond. Je comprends pourquoi il nous fait jouer tout en fait. Ah, je peux pas jouer next appearance. One out. And the runner not tagging. Et on va être là. Second base. Bon, deux retraits, on a peut-être réussi enfin à faire skipper le truc parce que là 6-0 c'est une défaite de toute manière. Et on s'acharne sur ce jeu pour absolument rien. Et voilà, mais malheureusement trop peu trop tard. Victoire, les Chihuahuas. Non mais il est sérieux là, il va me faire jouer tous les matchs. Ouais, les Chihuahuas ont gagné, merci.
6-0, victoire des Chihuahuas face aux Bees de Salt Lake. Et c'est là-dessus que se terminera cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner vos commentaires. On se retrouve très, très bientôt pour la suite de ce Let's Play. On continue, nous, de s'améliorer, mais notre équipe, un petit peu comme le AA, on est loin d'être dans la meilleure équipe, malheureusement. Et on affrontera l'équipe de Las Vegas la prochaine fois. Allez, ciao, ciao!